Salut les Mega Drivers, donc on se retrouve pour la deuxième vidéo de la journée puisque aujourd'hui il y a quand même une grosse news. Yuzo Koshiro le 2 mars nous a posté une vidéo gameplay sur son Twitter et donc on peut aussi apercevoir son travail en termes de sound design. Donc je ne pouvais pas passer à côté et il fallait que je fasse une petite vidéo pour vous montrer ça. Et donc Yuzo Koshiro en ce moment il est extrêmement productif sur son Twitter, hein. C'est un petit peu comme s'il avait mangé un giga tacos dans une rue de Barbès et que maintenant il a la chiasse, c'est-à-dire qu'il peut pas s'empêcher de nous partager exactement toutes les informations qu'il a sur son jeu, tous les petits progrès, toutes les petites avancées, etc. Récemment il a dit qu'il voulait faire une musique par rapport au stage qu'il montre, très proche de Sega, Namco, etc. En tout cas les jeux arcade de l'époque, puisque ici il nous parle d'une démo tournante, c'est-à-dire que le jeu aura sûrement, comme à l'ancienne, une démo où quand on ne joue pas, on pourra la voir défiler. Et donc, ici, on peut voir ce monde organique tel qu'il avait décrit, très proche de Salamander de Konami, des années 80-90. Et on peut donc entendre son travail sur le sound design. Et en termes de sound design, pour l'instant, c'est un peu étrange, parce qu'on entend des bruits d'explosion, alors qu'on est sur pas mal de monstres organiques. Et pour moi, ça me fait un petit peu bizarre. En tout cas, ce que je peux relever, c'est que le son fait très 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 années 80. Hein. Ça, c'est clair. Vous écouterez le son. On n'a pas de musique encore. Mais en termes de sonore, ça fait très très old school. Alors, est-ce que c'est un mal? Non, parce que le jeu, lui, fait quand même assez moderne, hein, au final. Et la deuxième chose qu'on peut noter, c'est que pour l'instant, le séquençage de l'ordre d'arrivée des ennemis et de la difficulté n'est pas au point. Ça, on peut le voir très clairement. Le jeu a du rythme, hein, c'est pas le souci, mais on ne peut pas lui reprocher, parce que comme il le disait, le jeu n'était pas à plus de 5% de développement, et donc ça va très certainement changer. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir, que le jeu vous plaît, moi je suis hype comme pas possible, je serai le premier à le précommander, et on va suivre ça. Allez, à plus les mecs, salabayo !